Yo les gars, c'est Nabets, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Indigo Park. Aujourd'hui on se retrouve sur ce jeu parce qu'il y a très récemment, il a eu sa première mise à jour majeure, c'est-à-dire une grosse mise à jour qui a ajouté donc des easter eggs, peut-être une nouvelle fin, j'en ai encore aucune idée, je me suis absolument pas spoil. On rappelle Indigo Park, ce jeu vidéo indépendant, reprenant un peu le style de FNAF, Poppy Playtime, tout ça. On va faire le jeu du début à la fin, ça, on va voir un peu, on va explorer la map, tout ça, on va voir s'il y a eu vraiment des toutes nouveautés, tout ça. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Puis bah les gars, bah let's go. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça au début. L'ouverture du coup du parc d'attraction. Enfin, je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est ça. Indigo Park pays homage to the values, dreams, and unwavering truth that gave rise to our great nation. Here you embark on the journey of a lifetime, a place of creativity, joy, and adventure, where your dreams hope. Ce jeu est vraiment insane. Hein. J'ai hâte de le redécouvrir. Hein. J'ai vraiment hâte de le redécouvrir. Parce que je sais que j'avais kiffé au tout début, vous savez, quand on avait commencé le jeu sur la chaîne, c'est ça, quand on avait découvert le jeu sur la chaîne. J'avais kiffé le jeu. Alors franchement, j'ai hâte de le redécouvrir dans cette mise à jour majeure. J'imagine de nombreux bugs qui ont été fixés, plus d'easter eggs, plus de trucs, peut-être plus de zones à découvrir. J'en ai aucune idée, plus de sons, plus de tout en fait. Donc franchement, dans tous les cas, ça risque d'être cool. Ça risque d'être cool. Donc on rappelle que voilà, ça c'était oh trop fort la YouTube. Je crois que dans l'histoire, en gros, on voulait explorer l'endroit avec une copine, sauf qu'elle pouvait pas. Et donc du coup on se retrouve tout seul ici. Chapitre 1, Birds of a Feather. Let's go. Ok, trouver un moyen d'entrer dans le parc. Eh ben écoutez, déjà comme ça. Alors, je sais pas vous, mais je crois que c'est quand même déjà beaucoup plus beau. Avec la flashlight ou non, d'ailleurs. Hein. Je crois que c'est quand même déjà beaucoup plus beau. Hein. Ah oui, carrément. Ah oui, carrément. Je me rappelle même que cette zone-là était complètement buggée. On voyait les textures étaient vraiment horribles. Même là, en vrai, un petit peu là, ouais, c'est un peu... Les textures sont pas forcément très très belles encore. Ok. Petit collectible. Parfait. Forcément, ça marche pas. L'écran là non plus. Je crois qu'il faut que j'aille là. Je peux sauter. Oh bah tiens. Ça aussi, tiens. Parfait. L'atmosphère du jeu est vraiment incroyable. Hein. Tiens, salut toi. Vu que ça voit bizarre là. Ouais, Rambler le raton laveur. Ça y est, je me rappelle. Allez, hein. Oh bah tiens. Oh, on voit la caméra là. Trop fort. Caméra qui s'allume. C'était là ça avant le deuxième écran. Je me rappelle plus. Ouais. Bah je peux même plus. Ouais non, je peux pas faire grand chose là au final. Rencontrer Rambley. Ah là, ok d'accord. Ici ouais, là c'est l'écran là je crois que là. Cette fois-ci. Non, toujours pas. Ah bah si. Non, c'est pas ouvert mon ref. Ouais, je confirme. Merci. Allez, let's go. Donc du coup là je crois que voilà, c'est ça, il faut qu'on y retourne, il y a genre un générateur là. Ou quelque chose comme ça. Oh bah tiens. C'est ça, il manque une pièce. Ah bah tiens, bah elle est juste là. Je me disais, je me rappelais qu'elle était pas loin, mais alors vraiment juste là devant, je me rappelle plus. Allez hop, j'active le levier. Parfait. Il y a été la cinématique avant. Ouais, il y a vraiment beaucoup de trucs. Ça fait longtemps que j'ai pas lancé le jeu. En tout cas, bah en fait, ça fait depuis sa sortie, depuis que j'ai tourné la vidéo, que j'ai pas lancé le jeu. Donc forcément, je ne me rappelle plus de tout.
Genre un peu plus par exemple s'il y avait des cinématiques et tout là, tu vois. Voilà, parfait. Bah écoutez, alors je crois qu'il faut... Critter Corner, je crois que c'est là-dedans après qu'il faut que j'aille. Bah avant ça, voilà. Wow. Oh, il a bugué le jeu, il a chargé un truc. C'est ça. Il me manque quelque chose, c'est ça. Oh, attendez, il y a une peluche de... Je sais pas comment elle s'appelle, là. Le piaf, là. Je sais pas comment elle s'appelle. Critter Corner, donc ouais, c'est bien ça. Donc, Oh là là, ça fait vraiment Security Breach, hein. C'est incroyable, hein. Let's go, merci. Wow. Bien sûr. Et hop là. Let's go. Ça, c'est stylé, ça. Let's go. On peut donc passer. C'est stylé, en plus, ça bouge. Ok. Et ben c'est parti. Ça c'est stylé. Ça fait beaucoup penser à Disney, tout simplement. Attends, mais il me regarde. Attends, quoi? Non, je réfléchis, il me regarde. Oh. Je vous promets que la statue, elle me regarde. Oh, c'est terrifiant. Attendez, mais non, mais je... On l'a bien vu bouger sa tête, hein. C'est un truc de ouf. Moi je comprends pas comment ça a pu arriver. C'est quoi, c'est un gros tremblement de terre, c'est hein? Sérieux, toute cette pierre là qui est tombée de je ne sais pas où là. Dico Park, allez, let's go. Let's go, on y est. Oh bah tiens, comme par hasard ça s'est effondré juste derrière nous. Oh, la caméra. Elle me regarde, elle me regarde. Ouais, carrément, ouais. Mais what the fuck, c'est quoi ces zones? Oh bah tiens, ça s'est ouvert, let's go. Eh ben let's go. Mais ouais, j'attendais, mais c'est... Ça y était pas, ça, avant. Ça y était pas, hein. Mais what the fuck? Ah ouais, non, d'accord. Ok, c'est la zone du train qui a été complètement refaite. Mais c'est stylé de ouf. Oh, ça fait un peu cartoon. Ça fait un peu cartoon. J'aime bien. Allez, let's go. Oh, c'est stylé. La zone du... Elle a été beaucoup plus éclairée. Avant, c'était tout sombre. On voyait que dans la zone, tu sais, dans l'endroit. Maintenant, on voit bien. C'est stylé. Et alors, elle... Molly Mocha. Ouais, voilà ça. C'est stylé. Moi, j'aime bien ce jeu. J'aime bien l'univers autour de ce jeu, j'aime bien. Attendez, c'est quoi cet endroit? Je viens de capter, mais what the fuck? Bon, ça c'est l'autre là, qui dort tout le temps là, à skip. Et donc ce serait le prochain... Ce serait le prochain méchant, on va dire, principal du prochain Indigo Park. Bon après il parle. C'est dommage, j'ai pas de sous-titres. J'ai pas de sous-titres. Je croyais que dans la première vidéo, je croyais que j'en avais. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Allez, c'est reparti. Alors ici c'est quoi? Bah ça c'est la panne là. C'est là qu'on va voir les méchants. Le vrai méchant pour le coup en vrai. C'est lui là. Et qu'on voit ensuite dans le mini-jeu là. Ah, c'est ça, c'est lui le méchant là. Ça fait un boucan, mon dieu. Oh mon dieu. Lloyd, c'est ça, c'est comme ça qu'il s'appelle lui là, Lloyd. Ah tiens, il y en a une ici, et le trail est là. Parfait. Et ben voilà. Elle a pas bougé, c'est bien. Eh ben, ne bouge pas, ça sera mieux. Let's go, on y retourne du coup. Là, on va entrer dans le théâtre, je crois. Avec le lion là. Le lion qui est. Chelou d'ailleurs, tout le temps. Ah oui, qui roule bien les airs.
Je me rappelle. C'est ça, ouais, c'est ça, je me rappelle. Je me rappelle. Ah, mais non, c'est lui, Lloyd. Ah, je sais plus. Je sais plus à force. Waouh. D'accord. C'est tellement plus. C'est tellement plus. Joli. Waouh. Ah, je me rappelle que la Big Ben, il fait que de bouger comme ça, là, je me rappelle. Belle petite boutique souvenir. J'adore. C'est vraiment stylé. Moi, j'ai vraiment eu un petit coup de cœur sur ce jeu, moi, quand même, quand il est sorti. J'aime vraiment bien. Me dis pas qu'elle me regarde, elle, c'est la statue, là. Non, c'est bon, c'est juste elle tourne. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, je sais que... En tout cas, je crois. Je crois que... Dans le café de Raton Laveur, je crois qu'il y a un chat maintenant. J'avais vu ça sur leur Twitter. Oui, il y a le chat! Salut! Comment ça va, le petit chat? Alors, je pense que c'est le chat du développeur. Je pense. Parce que j'en avais entendu parler, tout ça, mais... Voilà, vite fait, quoi, tu vois. Oh, mais c'est stylé! C'est stylé. Et en plus, il est bien fait. Il est bien fait. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, ça, c'est ça, là. Très bien. Alors, je sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Je crois que... Quoi, qu'est-ce qu'il y a, le chat? Moi, je t'ai déjà fait assez de caresses comme ça. Alors, je crois qu'il faut que j'aille au... au théâtre de Lloyd. Pour ensuite aller derrière, tu sais, je crois. Ah non, voilà, c'est ça. Il faut que j'upgrade, en gros, mon passe à la montre. En gros, c'est ça, je crois. Alors, par contre, je sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Je crois que c'est là. En tout cas, je sais qu'il y a un truc à faire ici. Ah oui, c'est vrai, il y a le... Il y a le remblai en or. Remblai, c'est ça le nom. Voilà, c'est ça. La peluche en or. S'il n'y a rien. Ah, c'est peut-être là. Oui, d'accord, je me rappelle. Forcément, c'est fermé. Ok, c'est ça. Là, cette fois-ci, il faut vraiment que j'aille chez Lloyd, en gros. Il faut que j'aille chez Lloyd. Ah oui, c'est vrai, c'est le kiosque là. Ça, c'est pour avoir des informations sur les peluches, les souvenirs, tout ça. Ok, bah écoutez, bah on va y aller. Ça devrait marcher cette fois-ci. C'est bizarre, c'est quoi ce cube là énorme là? What the fuck? Let's go. Nous y est. Ah oui, c'est vrai qu'il est là lui. Il est immense. Reviens là toi! Après voilà, je crois qu'il nous prévient comme quoi bah on peut pas. Il peut pas nous regarder aux caméras après. Après cette. Voilà. Après la scène. Il peut pas regarder, il peut pas nous suivre. Ah voilà, j'en étais sûr. Je me rappelais. Je me rappelle qu'il y avait l'autre là. Il y a la Molly. Molly. Qui était juste là. Oh putain. Ça, je me rappelle plus, ça par contre. Ça, je me rappelle plus. Putain, stylé. Stylé de ouf. En même temps, frérot, quand tu découvres le jeu comme ça, tu t'y attends pas. Il y a de quoi. Franchement. C'est un bordel. Wow, frère! Je me rappelle de ça, putain. Je savais qu'il allait venir comme ça, je me rappelle qu'il allait passer comme ça. Mais qu'on allait le voir arriver par en bas comme ça là, mais je me rappelle plus aussitôt. Je croyais qu'il fallait vraiment bien que je m'approche et tout, qu'il me saute dessus. Mais non, il est déjà parti ce con. Waouh. Il y a un sacré bruit quand même. Bah frérot, il y a une caméra là, comment ça il peut pas me voir? Bizarre. Bizarrement, Ramblay, de plus en plus, à chaque fois que je joue au jeu, je le crois de moins en moins, tu vois. Et tu vois, il y a même une caméra là. Et en plus, elle me regarde. Bizarre. Et c'est Ramblay qui... Oh, bah tiens, la clé parfaite. C'est Ramblay qui utilise tout ça. Il fait quoi, le lion? Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment parce que je me rappelle plus du tout de ce qui se passe juste là après, hein. Je m'en rappelle plus du tout. Je le sens mal. Oh, je le sens mal. Oh putain, ah, j'en étais sûr. Oh, ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Les ultrasons. Les ultrasons, je me rappelle. C'est stylé. Attends, wesh. Il passe par là, là?
D'accord, bon bah ok. Il est passé par là, très bien. Oh bah du coup on y retourne, hein. Mais cette fois-ci on a la clé du coup pour le... je sais pas quoi, store là, je sais pas quoi là. Storage par contre. Je crois que c'est là qu'on va voir Molly. Salut, au revoir. J'en ai rien à foutre. Alors je crois que, voilà, rooftop races, je crois qu'il faut que je monte. Sauf qu'en fait, ouais, c'est ça. Je me rappelle que, voilà, ça... c'était détruit. Landing pad, alors, il a dit, hein. Landing pad. Sauf que du coup, je pense que ça ne marchera pas. Ah, si, c'est bon. Bah, allez, hein. Molly's landing pad. Parfait. Waouh. C'est tellement plus clair que... Comment c'est tombé, ça? What? C'est quoi ce mini-jeu, là? Ah d'accord, ouais c'est pareil, c'est ça quoi en fait, ok. C'est la même chose. Parfait. Waouh! Oh ça sent le bruit. Oh putain. Ah oui c'est vrai qu'elle passe là juste à côté. Waouh, d'accord. Donc faut trouver le reste des couleurs et tout, hein. Oh frère! Bah. D'accord. Bonjour. Ok. Très bien. T'es cramé, hein? Je sais que t'es là. Ouais, c'est ça. Donc du coup là le jaune c'est un cercle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je m'en occupe direct. Ah bah tiens, le... Bon, il est déjà fait, parfait. Déjà mis, c'est un triangle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le coin là? Est-ce que je peux monter? Non, je peux pas y aller. Je peux pas y aller. Bon bah écoutez, bah, on va monter par là où est-ce qu'elle est passée tout à l'heure. Genre juste là, hein. Ici, je crois. Bon tiens. Là, le rouge, c'est une étoile. Le rouge, c'est une étoile. What the fuck? Ah maintenant, il y a une vitre. D'accord, avant, il n'y en avait pas. Hein. Avant tu tombais, tu tombes quoi. Ok, voilà, ça on avait vu. Et c'est déjà mis d'ailleurs. Donc il manque plus que le bleu. Ah oh, les trampolines, ça c'est stylé ça. Et qui est aussi une étoile, très bien. Oh frère. Ça je me rappelle plus ça par contre. C'est peut-être nouveau. Ok, donc du coup tout le reste c'est des étoiles. Par exemple celle-ci. Et puis le bleu aussi. Techniquement, c'est bon. Eh ben parfait. Allez, let's go, on y va direct. Et là, du coup, cette fois-ci, je crois que ça va être la course-poursuite. Encore le badge. La montre. L'animation est un peu buggée, par contre, encore. Waouh. Oh, il y a une peluche, là. Elle n'y était pas avant. Ah, d'accord, mais c'est... D'accord. Ah, ouais, bah, elle, c'est l'heure. Je confirme, c'est là. Waouh, frère! Mais elle va trop vite! Waouh, bah oui, mais gros. J'ai trop le seum. Elle va trop vite. Donc faut que je parte sur le côté, moi. Elle coule là. Cours, 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 cours. Elle est juste derrière. Oh putain. Ok. Oh sa mère, elle va vite. Oh non. Je sais plus où faut que je passe. Ok, je me rappelle. Oh frère. Oh non. Bah oui, mais frérot, non. Mais je sais plus où est-ce qu'il faut que je passe. Je crois qu'il faut juste que j'aille tout droit. Je croyais qu'il fallait que je retourne en arrière, j'ai trop le seum. Sa mère, court. C'est tellement stylé en vrai. Oh, elle va vite! C'est ça, fallait que j'aille là! Cavale, cavale, cavale.
Oh, c'est mère. Elle est où? M'en fous, cours. Oh, elle est là, elle arrive, elle arrive. Putain, elle court. Elle va me choper. Ouais, je suis là, ouais. Oh, sa mère. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh non. Ah oui, c'est vrai que ça se fait automatiquement, pardon. Oh, ça rappelle la fin de Massacre à la tronçonneuse, là. Putain. En fait, notre but maintenant, c'est de sauver le parc, en fait, en soi. Mais bon, c'est mal parti quand tu vois les trucs qui nous attendent. Putain, je l'ai coupé la parole, putain, le pauvre. Littéralement. Faut que j'aille par là? Je sais plus du tout. C'est ça, je crois. Et là, du coup, ça va être la fin, là, je crois. Je l'ai speedrun, le jeu, putain. Ouais, le kiosque, on s'en fout, mais vas-y. Océanique Odyssée. Et c'est là, du coup, que là, on va avoir... on va avoir le chapitre prochain... Le prochain chapitre. Avec, donc... Ah non, c'est Finlay, je crois, son nom. Finlay. Et Lloyd, du coup, c'est le... C'est l'autre, là. C'est le tigre. Le lion, pardon. Ah là là, c'est ça. Putain, trop stylé. Oh là là, trop bien. Trop bien. Let's go. Bon, bah, sur ce, bah, les gars, bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez kiffé. Pourquoi il n'y a pas l'image de fin? Il n'y a pas le... D'accord, il n'y a pas l'image du jeu. Bon, très bien, mais c'est pas grave. Mais écoutez, bah, du coup, bah, les gars, bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez kiffé. C'est ce cas. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, les gars. D'ailleurs, la prochaine vidéo devrait sortir dans les alentours de lundi, mardi. Et ceci résumera le Minecraft Live de 2024, les gars. Ça va être insane. On se retrouve donc très bientôt pour cette vidéo qui risque d'être très attendue sur la chaîne à partir de maintenant. Sur ce, les gars, c'était Nabet, prenez soin de vous. Bye.